Charlène de Monaco, un cliché de Jacques et Gabriella de la fête nationale fait fondre les internautes. La dernière fois qu'ils ont pointé le bout de leur nez publiquement, c'était en septembre dernier. Comme tous les enfants de leur âge, Jacques et Gabriella avaient repris le chemin de l'école. Les jumeaux du couple princier de Monaco avaient fait leur entrée en classe de CE1 à l'institution catholique François d'Assise, Nicolas Barré. Un événement évidemment partagé sur les réseaux sociaux de la Royal Family du Rocher. Les deux enfants ayant été immortalisés avec leur cartable sur le dos. Gabriella, qui a habitué le public à des coupes de cheveux peu conventionnelles, avait de nouveau fait preuve d'originalité en portant un serre-tête avec des oreilles de chat. Deux mois après cette rentrée des classes réussie, Jacques et Gabriella se sont de nouveau retrouvés sous le feu des projecteurs en ce samedi 19 novembre. Fête nationale oblige, les enfants de Charlène de Monaco et Albert II se sont prêtés au jeu des photographies. Dans les couloirs du palais, ils ont ainsi pris la pose en tenue de circonstance, un uniforme militaire pour Jacques et un long manteau rouge. Accompagné d'un chapeau noir, pour Gabriella. À peine postée sur la page Instagram de Charlène de Monaco, la photographie en question a immédiatement fait réagir les internautes. À travers des centaines de commentaires postés en seulement quelques minutes, ils ont encensé le futur héritier au trône et sa petite sœur. Toutes deux âgées de 7 ans. Elle est exactement comme son père et lui est exactement comme sa mère. Point. Trop mignon, ils deviennent de plus en plus mignons, oh, ils sont tellement adorables. Ou encore j'adore, ils sont beaux, pouvait-on lire sous la publication. Après la coiffure ratée de Gabriella, qui s'était coupé elle-même les cheveux, c'est un carton plein pour les jumeaux les plus célèbres de Monaco.